Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma et notamment des derniers films que j'ai vus. Alors on commence tout de suite avec Pattaya. Alors cette grosse comédie française qui serait apparemment la suite des Kaira, je crois, qui se passe en Thaïlande, à la destination super à la mode en ce moment. Et donc je m'attendais à rigoler et finalement bah j'ai pas tellement rigolé que ça. Donc un peu déçue par ce film, même si c'était un petit peu ce à quoi je m'attendais. J'ai rigolé 5 minutes, mais voilà quoi. Pas terrible. En revanche, j'ai été voir La Vache, donc avec Jamel Debbouze, mais en tout cas il apparaît dedans. Et là, par contre, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment trop bien. Donc c'est un agriculteur algérien qui a une vache, hein, sa chère et tendre Jacqueline, qui vit en Algérie et en fait qui a qu'un seul rêve en tête, c'est faire le salon de l'agriculture. Et on le suit donc dans ce périple impossible de venir avec sa vache à pied jusqu'à Paris pour faire le salon. Et en fait, j'ai trouvé ce film très rigolo. J'ai vraiment adoré cet humour-là. Il y avait la petite dose d'émotion. J'ai même eu la petite larmichette. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce film et je vous le conseille sincèrement. Ensuite, j'ai été voir le dessin animé Zootopie. Donc c'était un super chouette dessin animé, je crois que c'est de Disney. Donc c'est l'histoire d'un lapin qui veut devenir policière et contre toute attente, bah elle réussit et pour elle c'est une véritable vocation. C'est un dessin animé très mignon à regarder, très rigolo, on a Shakira en fond sonore, voilà, donc je vous le conseille, c'est un chouette dessin animé. Ensuite, The Finest Hours, c'est l'histoire d'un naufrage de deux pétroliers. Et en fait, c'est l'histoire donc de... Ça fait trois fois que je répète l'histoire. Mais donc de gardes-côtes qui vont tenter cette mission de sauvetage qui est complètement très suicidaire. Donc c'est très sympa, un petit peu long, je dirais. Voilà. Sinon, à mon avis... pas assez mitigé puisque le film en lui-même était sympathique, mais si vous voulez, c'est pas un film d'action quoi. C'est vraiment le sauvetage, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir, ils s'en prennent plein le visage, voilà, ça fait mal au cœur quoi. Surtout qu'il fait moins 15, donc pas les conditions idéales, voilà. Ça m'a fait un petit peu penser à Moby Dick, l'histoire de la mer, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des produits soins que j'utilise pour le démaquillage du soir en général. C'est une routine que j'applique en ce moment. Je suis assez régulière sur ces produits, donc j'ai assez de recul pour vous en parler et pour vous donner mon avis.